les gars, on est à Camagüey. Je sais pas si vous allez m'entendre. Et en fait, là, je vous dis, vraiment, c'est la réalité. On est à Cuba depuis 3-4 jours. Il y a des coupures d'électricité là, dans une partie du pays depuis environ Cienfuegos. Et en fait, là, les gens, ils sont obligés d'éclairer soit la lanterne pour certains, soit via les véhicules, soit via les lampes du téléphone ou autre. Et là, en fait, vous voyez, on ne voit que dalle, genre. L'électricité générale. C'est ça. Et ah, waouh, putain. Putain, on prend l'air devant. Et ça, Comment tu le sens, toi? depuis novembre. En tout cas, à Camagüey. Ouais. Ça, depuis novembre, apparemment, pour certains, depuis Camagüey, quoi. Alors que Cienfuegos, c'est à peu près à 5 heures, voire 6 heures de route. Donc, les gars, c'est chaud. Et nous, c'est notre deuxième coupure de courant. On a eu déjà une à Cienfuegos. Et voilà, quoi. Et à Trinidad. Donc voilà, on se dirige au resto, en espérant qu'il y ait un peu plus d'électricité. Wouh! Donc voilà. Madame, j'ai tout le temps faim. Ah ouais, en ce moment, c'est chaud. Bon bah, let's go, on va finir tout ça. Hein. Eh ben bonjour. Eh ben bonsoir. À tous. Et à toutes. Et bienvenue à bord. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau jour. Et là, c'était. Je sais pas si on doit appeler ça une anecdote, une catastrophe, ou les deux en même temps. Péripétie ou anecdote ou catastrophe. Ah ouais, non. Faute. On sait pas. Parce que là, du coup, on part de Trinidad, messieurs, dames, pour aller à Camagüey. Camagüey. Petit village sympathique, assez coloré. Voilà Petite quoi. escale, le temps de passer une nuit, découvrir C'est ça. très vite fait parce que ça a l'air Avant, petit et repartir ouais. À Santiago de Cuba. Bien sûr. Donc nous partons de Trinidad. Oh mais attends, on n'a même pas parlé sur la vidéo de la semaine dernière qu'on vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vue. L'anniversaire de madame. Bon, c'est bon, là c'est passé, on arrête d'envoyer des jeux d'anniversaire. Mais Myriam, elle avait fait un petit gâteau pour toi. Oui, mais j'ai envoyé la vidéo du coup sur El Drivo et. Voilà. Oui, mais du coup, préciser voilà que elle avait, il y a eu une attention oui. pour elle, donc trop mignonne. On a fait un petit gâteau. Mais oui, trop voilà. mime, parce qu'elle en peut plus. Normalement, bah, soit vous le verrez du coup vite fait dans la vidéo de la semaine dernière, soit là vite fait en bonus, on verra. Mais voilà. Ouais, il y a un petit peu répétition. Voilà, sinon, en tout sur Insta. Voilà. Ouais, non mais en tout cas bien. Voilà, petite attention trop mignonne. Donc on part dire au revoir à Myriam qui nous fait des gros bisous, des gros câlins. Qui a fait un putain de Tetris dans le coffre d'une voiture américaine pour que Novalis passe. Oui, parce que du coup on arrive, on a notre taxi qui nous attend et ils voient nos deux valises, ils disent non, je pense que ça ne va pas passer. Très bien. Du coup ils rappellent un autre taxi parce que ça ne va pas passer. Ouais. Donc, il rappelle un autre taxi, voiture américaine, pareil, mais beaucoup plus longue. Ouais. C'était trop stylé. Le truc, Donc, Myriam, donc, eux, ils mettent les valises. Je sais pas, ils galèrent. Alors, ouais. Myriam, c'est la madré, mais c'est surtout le padré du groupe. Elle dit, mais non, mais faut faire comme ça. Mais enfin, mais non, mais voyons, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Attends, tu plaisantes. Elle nous regardait en mode, mais putain, faut tout leur apprendre. Je te jure, c'était vraiment la mama du truc. Oh là là, le cartel, quoi. Et donc, elle arrive, donc, tout se case, tout s'emboîte parfaitement dans le coffre. Nous, la type à partie, il fallait ramener. On était combien déjà? On était deux, donc nous deux, et un couple d'Allemands. D'Allemands, ouais. Dans la Chrysler. Et donc, nous voilà pas partis récupérer un dernier qui était un Italien. Oui, dans un hôtel. Dans les hôtel. Hauteurs, du coup, de Trinidad. Trinidad. Donc, on arrive, Pompélope, on arrive, on voit l'Italien. Et là, l'Italien, on lui dit, il y a pas de place pour ta valise. Il tombe, attendez, déjà, ça fait 10 minutes que j'attends, personne ne m'a prévenu. Comment ça, il n'y a pas de place dans ma valise, en fait? Comment ça, il n'y a pas de place pour moi, tout court? Donc forcément il pète un câble, chose qu'en soi je peux comprendre, mais sur le coup ouais. on est en mode mais c'est qui ce frérot? Mais en même temps on n'avait pas tout le fin de l'histoire quoi. Et c'est surtout qu'on lui avait dit qu'il aurait une voiture privative, je crois, oui. Quelque chose comme ça. Donc il on a est payé en mode, ah. pour avoir une voiture privée. Ça la fout mal en fait. Qu'est-ce que tout mais... Comment? Donc
nous qui nous faisions une joie de faire le trajet en voiture américaine, no way. Non, du coup, ouais. On retourne au point de départ, ils changent le taxi, donc nous sommes... donc je sais plus, on a quand même réussi à ramener le gars ou pas? Non, il était à l'hôtel. Il était à l'hôtel et du coup, en fait, nous, on est partis dans les rues Trinidad pour revenir en fait au point central du truc de taxi en fait. Voilà, la Rencia des taxis. Et c'est donc, oui, donc ils nous laissent là, nous on attend comme des glandus. Ils vont chercher l'italien, ils reviennent avec un nouveau taxi. Donc là, on était vraiment sur le taxi jaune, moins classe, mais qui pouvait accueillir du coup 7 personnes. Ouais. Et toutes les valises. Et là, donc du coup, machin, truc et tout. Et là, ils nous disent, par contre, les valises, c'est plus cher. C'est plus cher, et les valises. Ah oui, bah de toute façon, on a une photo qu'on vous mettra. Ah ouais. Les valises, il y en a une partie dans le coffre. En haut. Et il y en a en haut. Bah, devinez lesquelles ? Les nôtres. Avec une tringle. Oh là là. Il y en avait une troisième, je crois, aussi. C'est l'un des deux Allemands. Oui, c'est vrai. Donc, bon, en soi, voilà. Donc on dit, bon, bah, l'aventure commence, youhou! Mais ils nous disent surtout, vous allez payer plus cher. Donc là, Léa, elle commence à se rebeller. Déjà, on attend, mais genre, je sais pas combien de temps. J'étais en mode, frérot, on était censé partir quand même il y a un petit peu de temps. J'étais là, mais on est en mode, pas bon, bien réveillée. C'est les vacances. J'étais en mode, les frérot, dépêchez-vous, j'en peux plus. Et on commence à avoir chaud aussi. Et en fait, tout ça accumulé, genre, moi, dès que ça roule pas dans le cadre, ça commence à m'énerver. Et genre, en plus, quand il nous a dit, faut payer plus cher, je fais pardon. Marron, j'en ai déjà payé, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Du coup, j'ai cédé, j'ai dit ok, mais par contre, on n'a pas mis autant, je crois, que les Allemands, je crois qu'on a mis un peu moins. Comme il n'a pas vérifié, ouais, il n'a pas vérifié, on a mis genre 100 moins, quelque chose comme ça, genre 100 ou 200 pesos moins, on était en mode bah non, en fait, tu vois, genre. Mais il a pas checké, et l'Allemande, elle, une paire de coronets. Ouais. Elle a pas voulu payer. Mais ils se sont engueulés à tel point que j'ai cru qu'ils allaient se taper. Ouais. Enfin, que le Cubain allait les faire sortir surtout du taxi. Oui, en fait, parce qu'ils étaient en mode bah non, bah dans ces cas-là vous sortez. Donc elle était dans I will not go out. Elle était vraiment hyper vénère. Qu'en soi je peux comprendre. On nous annonce un prix, c'est pas du tout le même. Mais après on est à Cuba, donc faut savoir c'est pas du tout les mêmes pratiques qu'en Europe, tu vois. Et qu'on avait besoin d'aller à Camagüey et qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Et donc, l'Italien, pareil, commence à s'affoler en mode. Parce qu'il aime pas. Bah, en même temps, personne n'aime les conflits, mais il avait surtout peur que ça dégénère. Donc, mais du coup, ils ont payé au final ou pas? Mais oui, ils ont payé. Au final, ils ont payé, je crois, avec des euros. Et ils ont donné 10 euros en plus, je crois, ou 5 ou 10 euros en plus. Oui, ils n'ont pas payé le prix, mais ils ont payé quand même un peu moins. Ouais, et du coup, ils ont payé en euros et on est parti au final, quoi. Mais ça a été. Donc, l'ambiance de zinzin dans la voiture. C'était compliqué. Et c'est vrai, c'était pas le taxi, c'était l'autre qui s'occupait. Enfin bref, petit peu top déjà la matinée. Bon, moi j'ai regardé la scène, mais c'est vrai que c'est voilà. Et donc on fait la route interminable. Ah ouais, puis alors devinez qui se retrouve tout derrière avec les valises. T'étais la plus petite. Bibi. Parce que je suis la plus petite. J'étais là, mais c'est une blague. Et du coup, bon, en soi, j'avais de la place, hein, mais... c'est un concept. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, je me tapais la chaleur du coffre et tout, les valises à côté de moi, j'avais super chaud. Ouais. Bon, toi, t'avais carrément la fenêtre à côté de toi, je te voyais bronzer d'un bras, comme ça. Moi, j'en pouvais hup. En fait, la clim ne fonctionnait pas. Donc déjà, tip-top. Et j'en pouvais hup, il faisait trop trop chaud. Donc oui, moi, j'avais ouvert la fenêtre. J'avais quasiment tout mon corps. Je me suis dit, je vais cramer du bras, je m'en fous. Juste de l'air, s'il vous plaît, por favor. Parce qu'il faisait vraiment super chaud. Non, et on s'arrête, du coup, dans un truc. Donc on se dit, est-ce qu'on peut... Parce qu'on n'a rien à manger, nous. Il faudrait qu'on mange. Donc on arrive à choper un plat typique avec du riz, du poulet à la Wallonienne. On prend à emporter. Il y avait l'Italien qui s'était posé prendre des cafés. Et nous, on avait pris à manger. Ouais. Donc on mange un peu. On part. Et puis... On arrive à Camagüey. Alors, le gars et son GPS, Non, mais alors, Vraiment, il dépose d'abord l'Italien, je crois, en premier. Ouais. Et il restait, du coup, pareil, les deux Allemands. Ouais. Et donc, nous, on lui montre l'adresse. Alors, moi, je suis désolée, sur le GPS, c'était super clair. Ouais. Et lui, je sais pas, il tourne en rond, il s'arrête. Pareil, on se descend de la voiture pendant 10 minutes, il appelle je sais pas qui. Pareil, il fait... Alors, ça m'a énervée parce que, en fait, il y avait, pareil, donc, une rue. Donc, soit t'allais tout droit, ou soit tu tournais. Donc, la première fois, il tourne, il voit que c'est pas là.
Mais sauf qu'une deuxième fois, il retourne. Je me dis, bah attends, frérot, va tout droit mais quand oui, même. Essaye mais... d'aller là-bas. En plus, son GPS lui disait d'aller tout droit. Et lui, il tournait. Donc c'est ça qui m'a rendu un peu ouf. C'est que vraiment, son GPS. Oui, il suivait pas. Il suivait pas son GPS. Donc après, le gars, il commence à s'énerver en mode, bah mais c'est où votre maison et tout. Et vous la dites pas. Il refait une troisième fois le même tour. Je fais, non, là, c'est trop. À un moment donné, oui. Ton GPS, c'est, il dit d'aller tout droit. À un moment donné, on va quand même tout droit. Ah bah, miracle, on trouve la maison. Ah, tiens. C'est marrant ça. Ah ouais, donc, non, mais vraiment, je crois que ça a été le pire taxi. Qu'on est pris c'était compliqué hein. Donc on arrive à la casa et là ils pensent que nous et les Allemands on est ensemble. Je dis bah... oh mais non écoute fais un effort. Donc du coup après il a ramené les Allemands, je sais pas comment ça s'est passé. Ouais. Donc nous on arrive à notre casa enfin avec une femme ouais super mignonne super ouais, sympa, très sympa. Daronne, avec sa fille. On arrive dans la chambre, elle est un peu petite mais ça fait le taf. Et moi, j'ai plus de batterie sur mon téléphone et sur ma GoPro. Enfin, j'en ai un peu sur mon téléphone, mais sur la... GoPro, c'est ciao. Chez vous, il n'y a plus rien. Donc, bah, je me dis, je vais recharger ma GoPro. Ah, bah, il n'y a pas... C'est bizarre. Bon, écoute, c'est pas grave. On va faire un tour dans Camagüey, on va visiter, on viendra ce soir. Ouais. Donc on fait un tour dans Camagüey, très sympa, très mignon. Bon, c'est petit, ouais, hein, tu petit, restes... Petit mais mignon. Deux heures, mais c'est très choupignon. Ouais. On fait des maisons colorées, un petit théâtre, vraiment... Ouais, très... Une ville choupie, quoi. Ah, pareil, les gens, bon, on se fait quand même regarder. Ouais. On essaie de retirer de l'argent parce que, oui, on vous en a pas parlé, mais à Trinidad... Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à Trinidad? Les galères. C'est marqué que les visas sont acceptés. Ah bon? Ah bon. Madame a une visa. J'ai une visa, je n'ai pu retirer dans aucune banque. Donc on va dans les favelas de Trinidad, à 15 minutes à pied, en dehors de tout. Ouais. On trouve une banque, qui était marquée sur le GPS. Ah, bah qu'est-ce qu'on trouve? Une banque. Je retire, ça marche pas. Donc heureusement encore une fois qu'on est deux et qu'elle a une Mastercard. Donc vraiment, rien n'est à jour. Qu'elle a pu retirer. Et arrivé à Camagüey, bah, on a le même souci, les banques sont fermées. Mais en fait, le pire, c'est que rien ne marche. Parce que la coupure de courant. Parce qu'on regarde en fait les machines et on comprend qu'il n'y a rien qui marche. Coupure de courant. Donc on se dit, oh non, non, ça recommence pas. Allez. Sachant qu'en fait, on s'est douté que hier, donc la veille du coup de notre départ, on a eu une mini coupure de courant, vous savez, avec la salle de bain. Il y a l'eau froide. L'eau froide. Et là, on se dit, oh non, ça recommence. Et là, on va du coup dans un bar, on se dit, bon, on va se poser, boire un verre, on va se désaltérer, petite limonade, toi-même, tu sais. Bah non. Bah en fait, il n'y a plus de courant. Il n'y a plus d'électricité, donc on ne peut plus faire les glaçons, les trucs, les cafés, il n'y a plus rien qui fonctionne. On est en mode, ah bon, bah c'est top. Super. Donc on a parlé, le barman, il a commencé à nous parler parce qu'il a vu qu'on était française, donc ça y est, il nous a fait tout un blablabla sur le cinéma en français. Il était très sympa, mais à un moment donné, on avait. Cultivé peut-être. Oui, très cultivé aussi. Très cultivé, mais vraiment, genre, il connaissait plein de trucs sur la France, il connaissait plein d'acteurs, il connaissait... Des vieux acteurs, hein. Mais c'est qu'à un moment donné, on avait envie de partir, quoi, il nous tenait la jambe et tout, mais il était très gentil, hein. Mais en tout cas, voilà, c'était rigolo, donc on fait notre tour, on peut partir avec d'argent, c'est pas grave. On arrive quand même, un moment, ça revient, on boit notre petite limonade, et ensuite, on repart à la casa pour se préparer, regarder un peu ce qu'il y a, où est-ce qu'on peut manger, quoi. Ouais. Et puis, bah, du coup, moi, j'ai vite fait la Wi-Fi et je chope des adresses. Et du coup, on voit qu'il y a un resto sympa, un resto italien, apparemment, est super bien noté, etc. Ouais, quoi. J'avais sur mon guide, ça avait été renseigné, parce que moi, du coup, entre-temps, mon téléphone, plus de batterie. Donc là, j'ai plus de batterie nulle part, en fait. Je ne peux plus communiquer avec le monde. Donc je pars quand même avec mon chargeur, on ne sait jamais. Parce que pour les restaurants, ça fait comme à Santiago de Cuba. S'ils n'ont pas de générateur, il n'y a pas de manger. Mais en fait, le truc, c'est qu'on était revenu vite fait à la casa avant, après que j'ai chopé les adresses. Dans le noir. Et du coup, carrément, en fait, la dame nous a donné une lampe torche là. Une grosse lampe torche là, pour qu'on puisse regarder et tout, nos affaires et tout. Donc, effectivement, il n'y avait plus de courant, plus rien. Et elle nous disait que c'était une coupure de courant, effectivement, nationale, que le centre, il est à Cienfuegos, justement, et que c'est vraiment national. Et donc, que eux, ça leur est déjà arrivé d'être 2-3 jours sans électricité. Donc, pour vous dire que pour la nourriture dans le frigo, c'est pas ouf. Donc là, on se dit, là, on est vraiment. Dans le vrai Cuba, quoi. C'est ça. Et elle nous a dit, vraiment, si Cienfuego est en panne, tout le reste du pays est en panne. Vraiment, ça dégage. C'est ciao. Du coup, c'est là qu'on s'est remémoré toutes les fois où il y avait de l'eau froide, qu'à Cienfuego, il y avait une rue qui était complètement... Enfin, là, on s'est dit, d'accord, ok. D'accord, ok.
Et donc, on arrive tant bien que mal à ce restaurant. D'ailleurs, on voit de la lumière, donc on se dit, on rentre. Chouette. Mais surtout, j'ai failli me gameler. Voilà, vous allez voir les vidéos. Bah ouais, il faisait voilà. Nuit. Donc, il faisait nuit. Mais bon, j'expliquais la situation, vous savez, en immersion. Ah, putain. Vous savez, donc voilà. Donc là, on voit de la lumière, on dit chouette. Ouais. On peut manger chez eux. C'est ça, c'était plus, un resto italien, trop choupi. Pour le coup, parce que bon, on en a mangé des pâtes et des pizzas. Ah ouais, ouais. Mais alors, eux, c'était. Bah alors, super. Eux, pour le coup, très bon. Très très bon. Et. Les pizzas, toi Ouais, toi, c'était et les moi, pâtes. Moi, j'ai pris des pâtes et c'était incroyable. Mmh. Non, c'était très bon. Et ouais. J'avais pris mon. Et heureusement, j'ai pu recharger mon téléphone un petit peu. J'ai regardé celle-là, j'ai fait attention, du coup. Hein. Ça veut dire, je vais charger ton téléphone. Let's j'étais comme ça. Go. Je regardais la meuf, je suis. On peut charger le téléphone. Ah ouais, non, parce que là, la charger derrière le panneau. Derrière le piano, comme ça. Panier, piano. Mais en tout cas, on a très bien mangé. Donc, on vous mettra le nom du restaurant quelque part. Très, très sympa. Et on est rentré chez nous dans le noir. Ouais. Moi, j'ai vu à un moment donné, on s'endort, on se douche dans le noir. Mmh. Moi, il y avait de l'eau chaude, par contre. Il y avait de l'eau chaude dans la douche, étonnamment. Ouais. Donc, bon, petite douche tranquille. Je me réveille, je crois, à 2h du matin. Je vois qu'il y a du courant, hop, je branche mon téléphone, je branche ma GoPro, je fais tout le monde d'un coup. Mais c'est surtout que moi, je me suis réveillée avant Célia, et j'ai plus branché mon téléphone parce que j'ai plus de batterie non plus. Oui, t'as entendu, parce que le ventilo qu'on avait actionné. Ouais, j'ai entendu le j'ai vu, oh. Et j'ai branché, et après, j'ai voulu brancher le téléphone de Célia, parce que madame dormait. Et je lui dis, bah, je vais essayer de brancher son téléphone aussi, vu qu'elle a plus de batterie, ou sa GoPro et tout. Et j'étais en train de chercher comme ça, genre dans la chambre, pour savoir où était son truc et tout. Je trouvais pas son portable ni sa GoPro. J'ai fait fuck. C'est caché. Attends, contre les voleurs et les intrus, tu plaisantes. Et en fait, son téléphone était sous son oreiller, donc j'aurais jamais pu l'atteindre. Voilà. Donc du coup, moi j'en ai profité pour recharger. J'ai vu le ventilo. Je me suis. En fait, ouais, c'est parce que j'ai entendu le ventilo. Je me suis dit waouh. Et donc la nuit se passe et le lendemain toujours. Bah toujours pas. Toujours pas d'électricité quoi. Ouais. Donc voilà, on prend le petit déjeuner. C'était sympa, oui c'était sympa, mais c'était vraiment bien pour une nuit. Camagüey c'est vraiment une ville d'étape, ouais. Donc c'est très bien pour une nuit, mais voilà. Pas, et puis la dame pas très sympa, oui. Qui nous a quand même pris, enfin qui nous a pris un taxi en même pas 2 heures je crois. Elle nous oui, a pris un taxi, pour nous emmener. Donc non, franchement emmener, c'était carré. Voilà, Camagüey, bonne petite étape pour vraiment s'imprégner de l'ambiance cubaine avec les maisons coloniales, les couleurs et tout. Mais alors attention, parce qu'il y a des risques de coupure de courant, que ce soit vraiment dans tout le pays. Donc ça, il faut faire attention. Et il y a une batterie de secours externe. Faites le nécessaire. En tout cas, vous êtes au courant, vous informez. Vous pouvez pas dire que vous poche. Ne saviez pas. Voilà, des lampes de poche, votre externe, ce que vous pouvez avoir. Quoi, donc voilà. Et puis ma foi, sur ce, lendemain. Voilà, on se retrouvera du coup demain, enfin pour vous la semaine prochaine ou samedi, voilà. Tout dépend quand est-ce que sort cette vidéo. Camagüey to Santiago. Direction la ville importante du pays, Santiago de Cuba. La ville de la danse. C'est ça. En tout cas, on espère que la vidéo vous a plu. Petit si commentaire, cas, voilà. Like, partagez, tout ça. N'hésitez pas à faire entendre à tous ceux qui aiment voyager. Et puis on vous fait des bisous. Oui. Et on se dit à très bientôt. Des bisous. Ciao. Ladies and gentlemen, un punto histórico.